What's up, guys? C'est Kemens, pilote 509. Welcome back, bienvenue sur Chanel là. Je dis à me développer ensemble avec nous de qui ça ou doit faire avant ou voler ou avion. In other words, the pre-flight takeoff. So let's get to it. Premier bain, moi faire, moi checker blade là qui c'est propeller, moi make sure que les bagages qui craquent la donne et que les très solide. Et deuxième là. Caoutchouc important pour checker, make sure gain vent et que pas secoué pour petit casse. Ensuite, moi checker zèle avion qui c'est moving surface of the plane, m'assurer que yo mo freely, que pas gain rien qui bloqué, que yo monter, yo descend, ça c'est élévateur qu'on quoi m'a regarder là, donc cable en bas, make sure que cable ça li attack et avec rudder qui c'est en derrière avion qui toute partie ça yo capable move pour contre. Ensuite, moi checker gaz. M'assurer que m'gain assez gaz pour vol que moi faire. Ou capable comprendre, pas ta mais prendre pas de gaz pendant en l'air. Donc m'assurer que m'gain assez gaz pour vol là. Et ensuite, moi checker en bas de l'avion à côté que tank là y a et m'assurer que l'eau pas mélangée à gaz. Ensuite, moi checker l'huile moteur. Avion ça allait prendre 8 quarts of oil, donc moi checker l'huile moteur avion. M'assurer que j'ai assez l'huile pour voyager et si toutefois m'ta manqué, m'ta mettre plus là-dedans. Ou pas donner et même moi qui paraît très blanche parce que il était fait fret et je ça et nous tap travail. Now, let's go fly. Checklist m'utilise ya, c'est checklist ça qui vini avec avion de tout ça que ou même ou devez faire. Et avant même ou déraper, avant même ou you go fly, make sure all the tout safety measures yo, tout ça ou devez faire. Et nan commençons à démontrer nous, checker gaz, checker l'huile lan, checker ça ou le moving surface of the airplane. Make sure que tout bagay bien serré, bagay qui est lâché sans pas connaître. So this is the starting checklist that I just did. And now I'm gonna go ride taxi to where I'm gonna be so that we can do the final checklist. What we call the before takeoff. Et you know bah, moi toujours fait avant de décoller, moi checker système météorologique dans zone. Tennessee, automated weather observation 2041 Zulu, wind 050 at 09er, visibility 10, sky condition clear, temperature 07 Celsius, dew point minus 06 Celsius, altimeter 3026, remarks, density altitude minus 500, Outlaw Field, Clarksville, Tennessee. Automated weather observation. Okay, ça c'est weather information. Maintenant, nous, bagage plus vent. Only 9 knots, 9 knots, nautical miles. So, il n'y a pas tellement de mal passer ça. So, we are taxiing. Pablo Traffic, Mooney 177 Fox Delta, taxiing via Alpha 415 Pablo Traffic. Et bien quelques jours, pas volé parce que conditions météorologiques ne sont pas en place vraiment. Je dis, bien que les antigens fait sombre, mais quand même, il va trop mal passer ça. Well, do the final check of right now. The flight control is clear. Yeah, I'll be right there. So it's all clear. Trim set for takeoff. It's good. All right. Then we're gonna do 1700 for the brakes. And then we are good. Instruments are in the green. Oil temperature is good. Cylinders good. Amps good.
And then we're gonna check the magnetos. 1, 2. Low drop. 1, 2. Low drop. 1. That's the left. Good. Back to 1. And then carburetor hit. Low drop. Back. Okay. And then we reduce it to 15. Up. Okay, back to 15 again. Awesome. And then we reduce like 1,000 or yeah. And then we're gonna set our map. Good. This is 21. So I see the gauge game. You. Dali, man. Tell you the directional gyros. The what exactly my direction? South, north, and all. The male metal map game matching on some compass. Our compass is on 21. So I'm gonna set it 21. 21 is actually within 10 degrees. It seems too early. I focus. Okay, Lala focus. Metal will match exactly. There we go. Metal will match exactly as I'm avec compass. In Cababuela. It match. I'm avec compass. 10 degrees. So, real quick, ça c'est altitude, hein? Altitude indicator. Ça lui-même. Ça c'est vertical speed indicator, right there. Ok, ça qui va si up or down. Ça c'est airspeed indicator. Ça va voir là. Speed indicator qui dit à qui vitesse on peut aller, soit 60, 80, 100, so forth. Okay? Donc en gros, et ça c'est ça, mon banou kounéa, nous gagnons là de manifold pressure, nous gagnons le bois là qui c'est tachometer, ça c'est manifold pressure, fuel pressure, right here, and all this good stuff. These are the engine instrument, oil pressure, oil temperature, cylinder head temperature. Outlaw traffic, Skylane 6013 Sierra is off 35 at Alpha 2, heading for the terminal. Alright. Is up and lock. Traffic system 35672, power out 180, runway 1. Twinville traffic, 1-8-177, Foxtrot Delta,
3 miles out for runway 4 and bound landing. Springfield traffic, Cessna 80327, take a runway 04 for left post traffic, Springfield. Springfield traffic, Monday 177, Foxtrot Delta, making a left post, runway 4, Springfield. Springfield traffic, Monday 177, Foxtrot Delta, final runway 4, touch and go. Springfield, Cessna 65 Foxtrot, taxiing from fuel to runway 4, Springfield. Springfield traffic, Cessna 327, left crosswind for 04, Springfield. Springfield traffic, Monday 177 Foxtrot Delta, gonna taxi back to Alpha 3, Springfield traffic. Alright guys, c'est tout ça que j'ai pour aujourd'hui. I'm closing up right now. I'm closing the garage, hangar, c'est comme ça, le hangar, qui est le garage côté avion à paquet. I'm closing up and I'm going home right now. Et mon courage, m'invite à abonner sur la chaîne là si vous pouvez faire ça. Pesez le bouton subscribe là et avec le bouton notification afin que chaque fois que je poste une vidéo, vous capable de regarder. Bon, mais tout. Je vais quitter soif vidéo. Je vais toujours mettre une. Du moins que mon petit temps pour nous faire ça. Et pas oublier, chaîne ça, c'est pour inspirer, motiver l'aviation, soit pour faire le privé ou commercial. Be safe, guys.